y a à peu près 80 hectares d'air, mais c'est le chauffeur de l'ensileuse qui est adhérent en plus sur l'ensileuse et qui s'occupe du planning. On l'appelle et puis c'est lui qui gère. On n'est que 9-10 adhérents, alors on a un très bon service. C'est 300 euros de l'heure et fait autour de 4 hectares à l'heure. Séjour d'ensilage d'herbe à la Cuma de Louette en Mayenne. L'ensileuse, qui récolte à peine 200 hectares de maïs, complète son activité annuelle par ses quelques heures à l'herbe. Arrivée il y a 4 ans dans la Cuma, elle cache une petite particularité. Particularité, c'est notre deuxième ensileuse d'occasion qu'on achète dans la Cuma. On fait vivre 8 à 10 ans. On entretient deux fois par an un concessionnaire pour qu'ils ne soient pas embêtés par les pannes et ça tourne bien. L'éclateur est toujours bien suivi. Le chauffeur peut régler la coupe à l'intérieur de la machine. Il fait à la demande de l'adhérent. Malgré son âge, l'ensileuse dispose d'équipements qui facilitent la vie du chauffeur. L'ajustement de la longueur de coupe en cabine ou le graissage centralisé par exemple. L'entretien est entre 7000 et 10000 euros, 11000 euros les plus grosses années. Et on a une annuité de 6200 euros.